De par le monde, les hommes chercheront sans relâche cette mystérieuse cité d'or, protégeant en leur sein les 7 plus grands secrets de Mu. Des enfants sont venus ici. Des enfants, comme dans la légende. Ah, je veux tout savoir sur ces enfants. Tout! Parler, Esteban ? Oui. Tu te rappelles, lorsque nous avons découvert la première cité, il y avait ce grand prêtre, avec son masque d'or. Oui, bien sûr, je me souviens. Mendoza ! Cet homme était-il mon père ? Zares, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Excellente. Tout s'est passé exactement comme je l'avais imaginé. J'ai retrouvé les enfants qui portent les 2 médaillons de la légende. Sire, ce que vous apporteront les cités d'or dépasse votre imagination. Leur pouvoir vous permettra d'écraser définitivement vos ennemis. Vous deviendrez si puissant que le monde entier sera à vos pieds. Courez! On se retrouve où vous savez. Il sait ce qu'il fait. Viens, il faut penser à Esteban. Que fait ce garçon ici? C'est Esteban. Hein? On l'appelait le fils du soleil. Ça suffit. Seul Dieu commande le soleil. Alors, Sancho, tu ne reconnais pas notre vieil ami? Mais oui, c'est le coco, le coco. Mon garçon. Dieu n'aime pas les mensonges. Oh, mais c'est la vérité! Cet oiseau a été construit par le peuple de Mu, le peuple qui a bâti les cités d'or. Des cités d'or? Quelle imagination! Vous allez les suivre, mais jusqu'où? Jusqu'en Chine, et qui sait, peut-être même plus loin encore. Je me demande bien pourquoi le condor s'est posé ici.